Là, on est à Richmond. Donc, c'est un quartier de Londres très sympa. Un peu classe. Very high. Mais vraiment hyper agréable. En fait, ça fait un peu village. C'est pas vraiment. Ça reste Londres. On est toujours dans Londres. Mais il y a ce côté village. On ne se croit pas forcément dans une grande ville comme Londres peut être. Donc, c'est plutôt sympa comme endroit. Alors on va mettre tout en route, on va allumer le studio. La light first. It's done. So I'll just take the English one. Yep. I think the French one's in there. Donc safe and sound en anglais. la version anglaise de Si mes larmes tombent. Si mes larmes tombent, c'est pas encore là. Ce sera peut-être pas le titre définitif, mais voilà, on doit faire cette version là. Et là, on doit rajouter avant d'attaquer ça, je dois rajouter des chœurs sur la version française en fait qu'on a oublié. Some babies that we forget. Donc on y va. Hi. I have to turn. It looks amazing. And this is on Safe and Sound, which is a ballad, so anyway. Non, c'est parce que la ballade, elle est compliquée à chanter en anglais. I need you to show me where to start to erase all these scars. Très compliqué, very hard to sing in English, that song. So, some funny. Bon, c'est la pause café, parce qu'on s'endort. I just want to sleep. It's time for a coffee. Darling. So we take from here, which one? Which one? I don't know. Ooh. The one I take normally is the one. It's the, this, no, this one. Ah, huh. Nespresso. The best coffee in London. Là, je vais à l'intérieur et on va faire une prise. Ouais, on va faire une prise de voix. Toujours la même chanson. Alors, en fait, on passe généralement une journée. I just say we spend normally one day per song. Mm-hmm. Surtout sur les versions anglaises. On the English version, more than the French. Because yeah. I have to be careful with my accent. The Beverly's home, I need guidance. I'm nothing but a broken heart and I need you to show me where to till I'm safe and sound. I think we're good.
think that's cool because now we are in the mood of the English version. Yeah. I mean, I'm not trying to copy what we are doing in the French. Yeah, exactly. It's a different mood, the same feeling, but a different mood for the English. I think it's better. Yeah, definitely. Donc là, on vient de terminer, c'est fait ça. Enfin, on vient de terminer. Là, en fait, j'ai chanté plusieurs fois le titre. Et après, on va écouter quels sont les passages qu'on trouve vraiment intéressants pour après refaire la même chose, mais en ayant exactement ce qu'on veut avoir en tête. Donc, en fait, quand on est en studio, I'm just explaining what we are doing. Quand on est en studio, il y en a qui le font, je ne fais pas comme ça, mais quand on est en studio, en fait, on chante le morceau plusieurs fois d'affilée. On essaie de trouver vraiment l'émotion qu'il faut pour un titre. Et dans Safe and Sound, il faut une émotion vraiment particulière. Il ne faut pas que ce soit en force, il faut que ce soit juste en douceur. On sent en même temps le côté écorché, le côté purement émotionnel. Ouais, on peut dire ça, le côté émotionnel du morceau. Et il faut vraiment que ça donne la chair de poule. Et pour avoir la chair de poule, il faut que moi, quand je chante, je l'ai. Et pour ce faire, en fait, quand on passe de la version française à la version anglaise, il faut vraiment que je me mette dans l'optique de chanter en anglais pour réussir à obtenir la même émotion que celle que j'avais en français sur ce titre-là. Et donc une fois qu'on a fait ça, là on a fait plusieurs fois d'affilée, c'est many times the song, and then we choose what we really like. Mm. Yep. And finally, you go in and do them. Yeah, I'm going, and the objective is to do exactly what we want because we know exactly which part we find interesting. Yep, yep. Voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. Just a soldier. Yeah, let it come. Yeah. Yeah, maybe, yeah. Donc, là, je suis en train de tweeter actuellement. Pour vous. Alors là, on est en train de terminer notre choix de ce qu'on préfère pour la voix lead et voilà. It's a secret. It's a secret. Là on est en train de terminer notre choix pour la voix lead et après je vais faire les chœurs. I have to do the BBs, les chœurs, et après on va les choristes. Les choristes. Non. Les choristes. I mean, you're amazing. Fluent. Fluent. Of the lead and the lower one. Yep. I need guidance. Yep. Donc là, on met tous les cœurs. Voilà. Et Sarah, elle est en train de sélectionner les bons cœurs au bon endroit. To erase all these scars, hold me, let my head down, till I'm safe and sound. Yeah, that was good. Yeah. I think that's all the BBs. Bon, voilà, il est 3h30 exact ici, ce qui fait 4h30 chez vous.
On vient de terminer. J'ai tweeté pendant toute la soirée en me disant qu'il y avait sûrement le premier single qui s'était fait ce soir. C'était juste énorme. Journée exceptionnelle. Vraiment une journée énorme. Today was amazing. On a fait la vidéo pour vous, celle-là. On a fait Safe and Sound, la version anglaise. Et là, on vient de terminer un titre qui est une bombe. Une bombe, mais tellement balèze. On est un peu fatigué, Sarah. We're a bit late. We're a bit tired, no? Fatigué, mais on est quand même là. But we're here. What's the time? We do the time. What? Do the time. Oh. Uh-huh. In the Don't morning. Pay attention to the face. This is normal. Aya, c'est la fin de journée. Il est 4h13. Et Aya, le taxi est là, on s'en va. Il n'y a plus de métro. Oh. Aya, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de métro. Donc, à cette heure-là, maintenant c'est taxi.